Et bonjour à tous, petite balade à Dijon pour les Graviers d'Or 2023. On va essayer de faire une belle trace de 100 km. On n'a pas fait le 150 pour des raisons de train et pour des raisons de flemme, mais ça, il faut pas le dire. On va voir ce que ça donne, cette petite trace de 100 km dans le Dijonais. Hâte de voir ça, pas trop de dénivelé, donc normalement, je devrais survivre. Famous last words. Allez, on part dans pas très très longtemps. Je vais peut-être prendre un dernier café. Les fédérations de chasse sont prévenues de votre passage, mais on sait jamais. N'allez pas à la confrontation, ils ont quand même des armes. Mais la chasse au bois, elle n'est pas ouverte. La chasse est ouverte. Pas au bois. Mais, dans les bois, ils n'ont pas le droit. Ouais, bah. Mais ils le prennent. Pas vraiment de difficultés sur ce parcours de sang. À part, vous avez vu, il y a une descente pierreuse. Ouais, elle est dangereuse, celle-là. Oh, elle est pas dangereuse. Oh, elle est scoop. Petit joueur. Même pas cap. C'est pas une descente qui est dangereuse. Non, elle est pas dangereuse, mais elle est scoop longtemps. Elle scoop un petit moment, voilà. Mais juste après, vous allez avoir de quoi manger. Si vous avez encore des dents. On va faire une petite photo, parce que Guillaume va nous faire une photo. Je viens de faire la petite photo, j'essaierai de l'incruster. Mais c'était sympa. Alors nous voilà partis. Je me fais déjà rattraper par un concurrent hargneux. Bonjour monsieur Pierre. Bonjour, c'est Nico. T'as bien dormi? Ouais. Bon, comment tu la sens, cette trace? C'est vrai. Ça va pas trop monter chaud trop vite, je pense. Non. Bien. Ça va le faire. On est chez nous. Vous êtes chez vous. Et si je freinais? Non. Si freiner, c'est tricher. Magnifique, hein. Mais je trouve le rythme un peu soutenu. Je vais commencer à penser à me laisser distancer pour pas péter.
Bon, finalement, je pensais être dans les derniers. J'étais devant le groupe de potes qui m'ont rattrapé parce que j'ai baissé le rythme. Du coup, de leur côté, ils ont accéléré. Et moi, je reste sur le rythme que je me suis fixé, zone 3 max, histoire d'être sûr d'arriver au bout gentiment. Parce qu'après, j'ai 5 heures de route pour rentrer chez moi et j'ai pas envie de m'endormir. Donc, je vais vraiment jouer la gestion là. Magnifique cette trace, je valide. Enfin, je dis ça, il reste 81 km. Hein, donc, mais pour l'instant, c'est chaud. Il y a des chasseurs dans le poussin. Dans ouais, il y a des chasseurs. À mon avis, les chasseurs, ils sont à gauche. On dirait qu'il y a un toit de voiture. Là. Il y a une bagnole. Ouais, là-bas, bagnole. Alors, je sais pas si à la GoPro, vous verrez, il y a 3 chevreuils qui courent. Enfin, qui s'enfuient, techniquement. Hey, le plan, ça va? Ouais, je trouve trop gonflé. Bah oui. Oh, bah oui, t'es belle. Et il y a du sel sur ma main. Bah ouais, c'est la transpiration. Un rien m'amuse. L'homme face à la nature. De belles autoroutes gravel. On peut à l'aise faire du 30 km/h. Ouais, surtout quand ça descend, on va dire. Bonjour. Attention, il y a des crises cardiaques qui sont parties pour moins que ça quand même. Hein. C'est super joli cette allée là. À la Delecce, ouais, il y avait du gravel. On a raté le gravel. Il y avait un chemin de gravel. 25 mètres, c'est 25 mètres. Bon, ben moi je vous laisse là. Hein. Je vois une côte rouge. Ouais. Ouais. Je vois la couleur de la courbe là. Je fais non. Pourquoi on s'impose ça déjà? Boire une bière au final sans arrière-pensée. Sans culpabiliser, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah putain. Ok. GoPro a lâché, j'arrivais plus à l'éteindre. J'ai dû m'arrêter et enlever la batterie. Et c'est pas très bon. Rando, single, bucolique, tranquille. C'est vraiment une belle région et comme je l'avais déjà dit pour la Vache qui Rit, le truc que j'aime beaucoup dès que je monte un peu au nord, c'est de revoir des arbres à feuilles caduques. Bah, du coup, ça fait le petit tapis de feuilles au sol. Ça, c'est une arnaque. Ok. Faut vraiment avoir l'œil sur le GPS hein, quand même. Ah, c'était juste pour faire chier en fait. Ah non, d'accord. Ouais, il y avait une barrière. Putain, bien vu quoi. Ok. Ok. Ah, c'est sympathique. Ils ont vraiment de belles autoroutes à gravel ici. Très sympa. C'est vaste. Donc il y a du vent et donc il y a des éoliennes. Ah, donc j'ai fait la plus belle descente de toute ma vie et la GoPro n'avait pas déclenché. Donc je déclenche. Après la descente gravel sur un bout de route. Heureusement, il y a un petit clocher, ça me réconforte en termes de paysage, mais vous avez tout raté. Et je déteste cette GoPro plus que tout au monde aujourd'hui, parce que entre les reboots, techniquement, c'est des freezes. Plus rien ne fonctionne, elle reste allumée, elle ne filme pas, tout est figé, il faut démonter, enlever la batterie, tout remonter. Ouais, c'est n'importe quoi. Et quand on déclenche, elle déclenche pas. Marais sur-t-il.
et ça vous fait marrer. Bon, le GPS m'envoie dans une espèce d'impasse, mais ça pue le ravito, c'est le ravito. On va t'aider, c'est pas un petit ravito, un patoche. On lui fait pour. Il arrive. Allez, on y va. Oh, mais c'est plus beau. C'est le plus beau vélo, ça. Là, on est à 51 bornes passées. Hein. Ouais, mais il a dit qu'il ralentissait, pas qu'il s'arrêtait. Ah ouais, mais faudrait pas qu'on mette 100 bornes pour... Ouais, pour l'attraper, ouais. C'est vert, c'est marron, des petites teintes rouges par-ci par-là. C'est magnifique. Ouais. Ça chahute, ça chahute. Ça sent bon aussi, hein. C'est une feuille, on peut la plaquer. Ouais, c'est une feuille. Ouais. Mais je la vois pas. Bon. J'ai un bruit. Très très bizarre ce bruit. Ouais, ouais. Il est rigolo ce bruit en plus.
sable. Une ascension un petit peu compliquée sur les 6 derniers kilomètres. Les 4 derniers kilomètres sont magnifiques. Mais alors, c'est une petite bosse qui fait fatalement assez mal psychologiquement. Quand je pense aux gens qui font la trace 150, j'ai beaucoup d'empathie. Terminé la trace de 100 km derrière moi. J'ai fini un peu dans la douleur quand même, avec des crampes et un petit peu d'hypoglycémie, mais heureusement il y a un super ravito. Et je vous le fais au téléphone parce que la GoPro est définitivement décédée, je pense. Elle ne se rallume plus, même avec une batterie neuve. Et donc cette conclusion de vidéo et de sortie des Graviers d'Or 2023. Et je vois Thibaldo qui revient. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de revenir pendant que je fais ma conclusion? C'était quoi la conclusion? Que c'était bien? Ouais. Un peu trop court. Ouais, enfin, juste, j'ai fait une petite hypoglycémie et des crampes, mais sinon, ça, on va pas le dire. On a tous des débuts de crampes, je pense, dans le dernier raidard en sable, là. C'était rigolo. Et toi, t'en as pensé quoi? De quoi? De cette trace. Ah, bah oui, non, mais. Moi, j'ai tout cassé, moi, j'ai pas vu la moitié. Alors, il a cassé son dérailleur. Oh là là, pardon de remuer le couteau. Non, mais ça, c'est l'hypoglycémie, ouais, tu vois. J'ai récupéré un dérailleur. J'oublie complètement ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'il vaut, mais écoute. Bon, voilà, c'était vraiment super. Tchaf, tchaf. Salut. Et salut les gars.